Aujourd'hui, on va parler du ficus, donc une deuxième vidéo consacrée au ficus. Cette fois-ci, j'ai pris un arbre un petit peu plus grand, une taille un petit peu plus importante, pour vous expliquer comment on va poser la ligature, mettre en place les différentes charpentières. À partir du moment où vous le travaillez dans la bonne période chaude de l'année, c'est-à-dire à partir de mai jusqu'à octobre, avril-mai jusqu'à octobre, dans la période chaude, vous n'aurez aucun problème avec ce genre d'arbre. On va placer la face avant de l'arbre. Ça, c'est primordial pour savoir dans quel sens je vais travailler l'arbre. Alors c'est important de toujours se familiariser avec la face avant de l'arbre, de toujours la repérer. Dans la construction, dans l'élaboration d'un arbre, il y a toujours une face avant. Pour l'observateur, c'est la face la plus jolie. Comment on va la repérer? D'abord grâce à la silhouette de l'arbre. Donc un mouvement intéressant et qui en même temps qui est visible, qui n'est pas caché par des branches. Alors il est possible aussi de couper certaines branches pour pouvoir dégager cette face avant, mais c'est quand même préférable de même pas couper les branches et d'avoir déjà cette face intéressante. Vous pouvez constater qu'ici, par exemple, cet arbre, il est fuyant. Dans ce sens-là, là, voilà, il vient vers le mur. Donc, si vous voulez, comme il ne va pas vers vous, ça ne va pas être une face intéressante. En plus, on peut voir qu'il n'a pas un mouvement intéressant. Si on tourne un petit peu plus, on peut voir qu'éventuellement, c'est une face qui pourrait être plus intéressante. Par contre, il est toujours fuyant, c'est-à-dire que là, la base de l'arbre et ici, le sommet de l'arbre, il est plutôt penché vers l'arrière que vers l'avant. Donc, c'est disgracieux et ça ne va pas aller. Quand on tourne encore, on peut s'apercevoir qu'ici, il y a un mouvement qui pourrait être intéressant également, ici, là, puisqu'il penche vers l'avant, mais c'est toujours pareil, il va pencher de ce côté-là. Par contre, si on commence à venir dans ce sens-là, vous voyez qu'ici, il y a un joli collé, un joli nez barré, hein, ça c'est la base de l'arbre. Et puis ensuite, l'arbre remonte en faisant déjà un premier mouvement, une première branche qui est intéressante, bien placée, une seconde branche qu'on va peut-être laisser, peut-être couper, éventuellement positionner celle-ci, et puis d'autres branches ensuite. Là, on voit qu'il y a déjà un prémisse de construction. On va laisser cette face choisie comme face avant et on va construire l'arbre en fonction de cette face avant. L'important, c'est d'abord de travailler avec de bons outils, du bon matériel. On va commencer par le fil de ligature. Donc, j'ai pris du fil de 1 mm, du fil de 2,5 mm et du fil de 4 mm. J'ai pris une paire de ciseaux, j'ai pris une pince à jean, également une autre petite paire de ciseaux un petit peu plus fine et une paire à deux pinces à couper le fil pour l'aluminium. On va prendre du fil de moyenne taille, 2,5 mm. On pose le fil sur les branches 2 à 2, c'est-à-dire qu'on va attacher une branche, on va armer le fil sur le tronc, on va faire deux tours sur le tronc et on va positionner une autre branche. Prenez un fil d'environ 1 mètre de long qu'on coupe. Vous voyez, je n'ai pas mesuré sur les branches. Et je vais donc ligaturer la première branche qui est ici. Je vais essayer de l'armer avec celle-ci. Quand vous ligaturez toujours face à vous. C'est bien plus pratique et ça vous permet de voir tout ce que vous faites. Si vous ligaturez une branche derrière, vous tournez votre arbre sur le plateau et vous vous remettez face à votre ligature. Alors l'important, c'est de faire au minimum deux tours. Le problème de ce tronc, c'est qu'il est très gros. Donc, en faisant un tour, les branches étant très très flexibles, normalement ça devrait me suffire. Mais théoriquement, sur le tronc, vous devez faire deux tours pour être bien armé. Et ensuite, on vient ligaturer sa branche et positionner son fil. Alors vous avez vu, je tiens bien ma branche et non pas le fil de ligature. Le fil de ligature, lui, il fait le tour de la branche. Voilà, je positionne le fil de ligature sur cette branche. Et donc, on va essayer de voir si ce pliage nécessite un autre fil. Apparemment, c'est trop élastique. Vous évitez de croiser les fils de ligature, ça c'est très important. D'abord, c'est disgracieux, ensuite c'est inefficace, et puisque ça risque en plus d'abîmer carrément la branche. J'enlève quelques feuilles qui me gênent. Bon, les feuilles, vous enlevez les plus grosses, généralement. Voilà. Alors le ficus réagit bien, même si vous les feuillez. Il n'y a aucun problème. Vous voyez, j'ai toujours ligaturé les branches 2 à 2, c'est-à-dire qu'il y a une branche en bas qui est ligaturée avec une branche en haut. Alors quand vous voyez que le diamètre du fil est trop important pour la branche, ben vous coupez, vous faites une
petite boucle ou au moins un petit crochet pour maintenir correctement la branche à l'intérieur de ce fil. Comment on voit que son fil est efficace? Ça aussi, on l'a vu dans d'autres vidéos. Vous prenez votre branche. S'il n'y a pas d'élasticité sur la branche, ça veut dire que le fil est efficace. Dans ce cas-là, vous pouvez déjà positionner votre branche. On va le construire comme un caduc, c'est-à-dire que les branches ne doivent pas quand même tomber très fortement. Ce n'est pas un conifère, ce n'est pas un arbre qui va pleurer au niveau de ses branches. Donc les branches, elles doivent descendre légèrement et puis surtout remonter. C'est bien plus esthétique. Un arbre, ça se construit toujours en trois dimensions. Ici, vous avez une branche qui est intéressante, ici aussi, et vous avez une branche de profondeur qui est derrière, qu'on ne voit pas trop, qu'on voit ici. Vous voyez, cette branche-là, elle va déterminer la profondeur de l'arbre. Ici, on va avoir, si vous voulez, vu d'en haut, une fois que l'arbre sera construit, on aura un système presque en étoile. Prenez l'habitude également de couper les branches qui vont vers le bas et celles qui vont vers le haut. Ce qu'on cherche à avoir, c'est des branches qui se développent de façon latérale. Pas des branches qui poussent vers le haut, ni des branches qui poussent vers le bas. Vous voyez dans cette vidéo qu'il y a pas mal d'insectes qui circulent sur le pot. C'est normal parce que l'engrais organique qu'on a mis est en train d'être dissous, assimilé par ces insectes. Il va être dégradé en fait par ces insectes et ça va favoriser comme ça la nutrition de la plante. Donc vous inquiétez pas, si vous mettez de l'engrais et que vous avez énormément de bêtes qui circulent comme ça sur le pot, c'est pas très grave, ça va favoriser ainsi la pousse de l'arbre. D'ailleurs on voit bien que cet arbre il est très bien cultivé, puisque là en l'espace de même pas un mois il a fait déjà des pousses de 5 à 10 cm à certains endroits. J'avais quelques questions concernant la mise en forme en me disant mais comment tu sais que la branche va pas craquer? C'est aussi une certaine habitude. Il va falloir que vous positionniez beaucoup de fils de ligature et que vous appreniez à sentir quand l'arbre il est à sa limite au niveau disons de la résistance de l'écorce. Il faut vraiment le faire pour le comprendre et pour le sentir. Il faut un minimum, c'est déjà de ne pas trop arroser l'arbre quand vous allez le travailler. Alors je ne dis pas de ne pas l'arroser, je dis qu'il faut l'arroser un petit peu moins. 3 jours avant, vous arrêtez l'arrosage, 2-3 jours avant, ça ne va pas le tuer, c'est juste pour assécher un petit peu les cellules, qu'elles soient un peu plus souples. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'arbre, à partir du moment où il a moins d'eau, eh ben les cellules de l'arbre vont être un petit peu plus souples. Dans cet endroit-là, il manque quelque chose. Ça devrait être rabattu vers ici. Donc il va falloir trouver une branchette qui vienne ici. Alors l'arrière de l'arbre, il n'est pas très visible, mais il est quand même très important. C'est important de construire toujours en 3 dimensions. Vous voyez, si on met l'arbre dans ce sens-là, on ne voit pas du tout le trou qu'il y a juste derrière. On continue la ligature. Cette fois-ci, j'ai pris du fil de 1,5 mm. Alors c'est toujours pareil, hein. Je fais une petite boucle moi pour coincer, voyez, cette branche de telle façon qu'elle ne parte pas. Ensuite, on peut positionner la branche correctement. Voilà, ici pareil. Vous voyez, on va pouvoir donner comme ça ainsi de la profondeur. Ça, c'est l'arrière de l'arbre. On va essayer de meubler. Les feuilles, il vaut mieux pas les laisser bloquer, il vaut mieux carrément les couper proprement. Vous voyez, j'ai commencé à remplacer certaines branches. En bas, j'étais pas sûr, donc je les avais gardées. Maintenant, je suis en train de les couper. Voilà. Et on va positionner à la place ces branches-là qui commencent à construire l'arbre. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un arbre qui commence à avoir plus de volume. Plutôt que d'avoir un arbre droit et qui a le même diamètre en bas et en haut. Non, ce qu'on cherche à faire, c'est une forme conique, même sur le tronc. Ensuite, on cherchera à faire cette forme conique également sur la branche. Lorsque vous avez un système en forme de fourchette, comme on voit ici, donc cette fourchette, elle est composée de cette branche et de cette branche-là, il va falloir choisir une des deux branches. Pourquoi ? Parce que on cherche à avoir toujours ce système conique sur les branches également. L'important, c'est toujours de choisir la branche la plus jolie, c'est toujours ce qu'on dit, sauf que la branche la plus jolie, c'est celle qui a le plus de mouvement. Puis moi, je dirais que cette branche-là, celle-ci, là, elle est plus intéressante que celle-ci. Donc, je pense que mon choix est fait. Je vais garder cette branche-là.
maintenant, ça va être de bien étaler les branches, essayer de lui donner une petite forme, et ensuite de tailler les branches un petit peu plus courtes vers le haut, de telle manière à renforcer la conicité de cet arbre. On va commencer par former cette branche ici. Alors, on va la laisser longue volontairement parce qu'on veut qu'elle pousse, on veut qu'elle grossisse, parce que le diamètre de cette branche n'est pas encore suffisant. Pour éviter d'avoir un effet porte-manteau comme ça, je vais volontairement la lever un peu et la positionner un petit peu plus haut que celle-ci. Celle-ci, ce sera vraiment la branche basse, ce sera la première branche de l'arbre, celle qui va donner le mouvement de l'arbre. Ensuite ici, la branche de profondeur, donc derrière l'arbre, celle qui va donner la troisième dimension. Ensuite, une autre branche ici. Donc pareil, on donne un petit mouvement, c'est pas la peine de faire des tortillons. Ce qui est important, c'est qu'elles prennent vraiment le soleil. Ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est qu'elles grandissent et qu'elles grossissent, parce qu'au niveau du diamètre, c'est pas encore ça. On a vraiment un joli tronc, mais on n'a pas de branches très très grosses. Une première branche de rappel qui vient vers nous, vers l'observateur. Alors, on a le droit à une certaine hauteur, à peu près aux deux tiers de l'arbre. Vous pouvez commencer à avoir des branches qui viennent vers l'observateur pour cacher la fin du tronc. Ici, on a une branche qui est intéressante parce qu'elle est composée de plusieurs petites branches. Et donc, on va pouvoir faire un plateau. Et on continue à placer d'autres branches. Ici, un deuxième plateau. Et maintenant, on va former la tête de l'arbre. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, la tête à faire. Donc, il faut un petit peu d'entraînement. Alors, vous remarquerez, bon, je prends ma paire de ciseaux parce que c'est du fil d'aluminium, sinon je ne le ferais pas si c'était du fil de cuivre. Et je vais récupérer la conicité de l'arbre en réduisant la taille, la longueur des branches. Vous voyez qu'ici, là, de suite, j'ai réduit. Là, je vais faire pareil avec cette branche là ainsi que cette branche ici. On a à peu près fini avec cet arbre. C'est une formation sommaire, c'est un arbre qui va repartir en culture pendant au moins 2 mois. On le reverra au mois de juillet, au mois d'août. Lorsque vous posez un fil de ligature, il faut compter entre 1 mois et demi à 3 mois avant que ça marque l'arbre. Vous devez surveiller vraiment de façon constante vos arbres qui sont ligaturés. Alors, il y a une méthode très simple pour le faire, c'est au moment de l'arrosage. Quand vous arrosez vos arbres, vous surveillez, vous regardez les ligatures, si ça a marqué ou pas. J'espère que ça vous a plu. C'était une deuxième partie consacrée principalement à l'élaboration, à la mise en forme d'un ficus un petit peu plus gros, un petit peu plus important pour que vous puissiez comprendre comment on pose la ligature et comment on forme son arbre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like. Et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo.